Salut à toutes et à tous, c'est Silence Dark 59 et nous voici aujourd'hui pour la finale de la Coupe de la Ligue entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain. Ouais, on joue au stade Gerland parce qu'il n'y a pas le stade de France dans ce jeu, dans FIFA 14 sur la Xbox One. Je suis accompagné de Hervé Matou et de Franck Souzé. Bon, ils vont m'aider un peu pour dire les noms, même si je les entendrai pas parce que j'ai dû baisser le son de la télé, mais bon. Donc voici l'entrée des joueurs. Bon, j'ai essayé de mettre les équipes comme je pouvais, hein. Donc comme d'hab, je fais les grandes compétitions. Quoi, les grandes compétitions? Je fais les deux compétitions françaises et la Coupe de l'Europa League et la Champions League, hein, souvent en vidéo, les finales bien sûr. Donc là, quand je profite que je peux capturer la Xbox One, je vais tenter de faire un épisode sur la Xbox One. Ça peut être facile, mais bon, j'ai mis en international donc je suis assez nul. Donc là, mon équipe est en 4-4-2. L'Olympique Lyonnais, donc je joue l'Olympique Lyonnais, hein, bien sûr. Et je vais affronter le Paris Saint-Germain qui est en mode international et vous allez voir que c'est pas très très facile comme mode. Pour ceux qui ont déjà joué, ils doivent savoir de quoi je parle. Hein. Faut peut-être beaucoup d'entraînement pour réussir à maîtriser ce mode. Moi j'y joue assez peu. J'ai peut-être joué une ou deux fois en mode là et c'est assez dur. Donc ils sont en 4-3-3. Et en plus, d'habitude quand je joue en international, j'ai une équipe équivalente à celle que je rencontre. Et là, c'est pas du tout pareil parce que le PSG est bien plus puissant que mon équipe. Donc j'ai intérêt de faire très attention et parler en jouant, c'est pas facile. Pour ceux qui font des vidéos comme moi, ils savent. Alors là, vous allez voir, c'est encore plus dur. Donc là, on va faire la mise en jeu. Hop, c'est parti. Bon, allez, Miguel Lopez a le ballon. Donc pour la casette. Donc on va bien jouer tranquille, hein, Gonalon. Je suis tout seul, je suis déjà mal embarqué. Les fautes, c'est super, merci. Bon, je vais jouer tranquille, hein. Je vais faire mon possible, hein, pour pas trop humilier l'Olympique Lyonnais. Parce que je pense pas que je vais gagner, mais bon, c'est pas grave. Ah, je me suis arrêté là. La touche. Je pense qu'au début, je pourrais faire jeu égal, parce qu'au début, mon équipe sera à peu près en forme physique, on va dire, parce que ça joue quand même, hein, dans le jeu. Ah oui, le bon centre dans la surface. Ah, voilà le premier but. But de Gomez. À la cinquième minute de jeu. Bon, je pense qu'au début, je vais bien être... Bon, je vais essayer... Là, j'ai un peu de chance, hein, faut dire. Un centre de Gourcuff en deux temps. Et tête de Gomez, imparable, bien sûr. Celle-là, elle est imparable pour le gardien. Ça, il n'y a rien à dire. Très beau ralenti. J'aime bien les ralentis de ce jeu. Franchement, ils sont vraiment très très beaux. Bon, je vais un peu zapper parce que sinon, ça va durer 107 heures. Et j'ai pas envie de vous faire un gameplay qui dure 100 ans. Voilà, donc, premier but, mais bon, 5 minutes de jeu, moi on joue en 6 minutes la mi-temps, c'est assez long, donc voilà quoi. Faudrait que j'essaie de tuer le match le plus vite possible, parce qu'en international, comme j'ai dit, j'ai déjà fait quelques matchs, et c'est pas très facile. Allez, allez, on court les enfants. L'appel dans l'espace d'Alexandre Lacazette. Ah putain, mais elle était pas là, là, parce que je voulais faire, mais c'est pas grave. C'est pas grave, Grenier qui est un très bon joueur et un très bon tireur de coup franc. Allez hop, c'est qui lui? Je connais pas tous les joueurs parisiens. C'est que c'est Lucas. Peut-être tir contré, ça c'est magnifique. Sur l'aile pour Miguel Lopez. Je vais retenter un centre. Ah, là j'étais trop loin du ballon. Un ballon récupéré par les Lyonnais. Pour Grenier, pour Gourcuff. Pour Lopez. Oh, le ballon qui sort en corner pour l'Olympique Lyonnais. Superbe action avec une belle frappe de loin et un bon arrêt du gardien. Ouais, c'est bien d'avoir tenté. Après, l'entraîneur se dira peut-être qu'il aurait dû. Bel arrêt, magnifique. On va tenter le centre. La défense qui récupère le Maxime Gonalon. Contré. Sorti droit avant les bras du gardien. Ouais, il fallait sortir, c'est bien joué. Sorti. Ouais, magnifique. Bon, je vais jouer derrière tranquille. Hop.
essayer de d'étirer leur bloc équipe. Si ça marche hein, dans un jeu vidéo, je sais pas ça, mais bon. Ah, ça c'est bon, ça c'est bien lancé pour Malbranck. Bon, Malbranck par contre qui court pas aussi vite qu'un Parisien. Et but 2-0 ouais 2-0, magnifique 2-0 ouais. J'ai mis la passe là où il fallait, magnifique. Attendez 2 minutes. Le réalisateur qui nous montre le but sous un autre angle. Et 2-0, oui, magnifique but de Malbranck. Mais bon, comme j'ai dit, hein, 2-0 c'est même pas assez, je suis sûr. Mais au moins j'ai un petit matelas au cas où si je m'en prends un. Voilà. Donc 2-0, magnifique. Bon, 22 minutes, c'est le début du match, hein, ça, y a rien à dire. En international, je me méfie toujours de ce mode, hein, ça, y a rien à dire. Je vais essayer de bien gérer, même si là, ils vont commencer à s'énerver. Très, très, très attention. Ah, je suis hors jeu par contre. Ah non, il m'a pas mis hors jeu, tiens. Moi j'étais persuadé, de toute façon elle était trop forte, mais bon. J'étais hors jeu. Bon, c'est bien parti. Tir contré, bon corner, bon. Je vais voir l'auteur du deuxième but, pardon. Une petite toux. Tête, oh, encore un arrêt du gardien. Et il est vraiment fort leur gardien, sérieux. Faut bien éviter le tacle. Oh là là là, c'est cafouillage. Bon dégagement par contre. Oh putain, tout. Putain, c'était violent là. C'était violent. Ballon piqué pour Ibrahimovic. Quand on connaît ses qualités de finisseur. Oh, belle ouverture d'Ibrahim pour Lucas qui est hors jeu. Ah bon. Moi je l'avais pas vu hors jeu, mais c'est pas. Bavarda. Oh, il n'y a pas grand chose du tout. Hein. Bon, je balance pour être tranquille, pour pas dire de. Même si je dois la rendre aux Parisiens, c'est pas grave. Voilà. J'avais dit, mais c'est pas grave. C'est juste pour dire de ne pas avoir le danger près de chez moi, je préfère avoir le danger près de chez eux. Au milieu de terrain. J'étais pas du tout sur le ballon, mais c'est pas grave, pour la tête. Ah, j'ai fait faute, j'ai trop tenu avec le bout tombé. Comme s'ils savent pas, hein, on peut maintenir les t-shirts avec le bout tombé, quoi, tenir les bras. Bel arrêt de Lopez. Dégager, tranquille. Parce que je pense que là, il y avait personne. Okay. Ah bah si, regardez, voilà, récupération par Gomis. Avant que je renvoie, il arrive sur moi, je tire. Ah, quel arrêt. Sans j'avais aucune autre chance, hein. Le mec d'en bas il me rattrapait à mort là. On va le voir, il commençait à me rattraper et puis il y avait personne. Donc là j'avais qu'une chance sur deux, c'est ou de temporiser ou de tirer. Moi j'ai tenté la frappe, hein. Tant pis. Tirer comme ça, il ne donnera rien. Hop. Non mais non. Ah, reviens coup franc, voilà, magnifique coup franc. Passant ça marche, faute de match lui dit. Pour lui qu'il a voulu jouer le sur le pied d'appui, voilà, on l'a vu. Je vais changer le tireur, je vais prendre Grenier. Et alors là, on va tenter la frappe. Oh là 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 là. Ok. Elle était pourrie celle-là, mais c'est pas grave. Je suis pas un grand tireur de coup franc. Non, j'aime pas trop les coups francs près en fait. J'aime bien les coups francs un peu plus éloignés. Là, 24 mètres dans le jeu, c'est un peu trop dur à marquer. Ça ne veut pas dire que c'est pas faisable de le faire, parce que j'en ai déjà mis. Mais c'est plus dur. Je trouve que cette distance-là, elle est plus dure. Quoi. Putain, tôt. Oh là, il y a but. Ah non, j'ai de la chance sur ce coup-là. Là, il me fait une Zlatan. Là, c'est gros bordel. Et but, voilà. But incompréhensible, c'est surtout le gardien. Je sais pas qu'est-ce qu'il m'a fait. Voilà. Voilà, 2-1. Le PSG revient sur un but de Thiago Motta. J'ai pas réussi à me dégager, c'était gros bordel. La retournée de Zlatan, le jeu dangereux. Puis là, une reprise de volée. Puis là, le gardien, il a rien. Peut-être pas vu le ballon, hein, peut-être masqué, mais bon, voilà. Belle reprise de volée. Ah, c'est vraiment du. Je peux pas rien faire, de toute façon. C'était trop. C'était un peu trop cafouillis. Voilà, bah, ils reviennent dans la course, hein, je l'avais dit. Hein. 2-1. 2-0, c'était pas encore suffisamment.
On récupère ce ballon dans l'entrejeu. C'était pas encore un score suffisamment élevé, hein, alors que j'ai eu des sacrées occasions pour en mettre 3. Et bah non. Et bah non. Je dois tout refaire. Quoi, tout refaire? Pas encore tout refaire, mais presque. Ouais, bon tacle, mais c'est pas fini. Putain, mais quand je veux faire une passe en profondeur, il y a toujours une jambe. Malbranck. Et elle va protéger son ballon. Voilà, il y a faute, et comment il m'a propulsé ma joueur, toi. Et ils vont partir en compte sur une faute. Là aussi, il y avait faute, mais c'est pas grave. Hein, on va rien dire. Peut-être comme ça, il a rattrapé ma faute qu'il m'a pas donné. Bon, s'il peut siffler la fin de la mi-temps, la première, ça m'aiderait, merci. C'est pas pour dire, mais... Hein, pour le gardien sous les sifflets. Et 4 minutes, elle dure plus longtemps que le match complet. 4 fausses minutes en plus. Bon bah 2-1. J'aurais préféré partir avec 2 buts d'avance en deuxième mi-temps, mais bon. Bon, ça c'est équilibré, hein, quand on a pu l'apercevoir. Allez, on est reparti pour la deuxième période, hein, les enfants. Ah putain, puis contre favorable, là il fait une... y a rien. Tant mieux, il gâche une munition, tant mieux. Mauvaise passe de moto. Oh là, le mauvais... La passe de merde. Ouais, là, je joue avec le feu en plus. Hop. Ça c'est bien lancé. On frappe. Oh, patron de la salle. Oh putain, le sauvetage. Motard. Je sais qu'avec la casette tu peux faire des frappes comme ça, il est super puissant ce golo. Elle était belle celle-là. Donne ses dernières consignes au joueur qui va faire son entrée. Gomis. Oui, ça c'est un bon appel de balle. Elle était belle la frappe. Putain, c'est con que moi j'ai pas de bol, qu'il n'y a pas de mes joueurs qui traînent près du but. Mota. Elle était superbe l'occasion. Putain, c'est con que je l'ai pas claqué quoi. Mais bon, il a pris la dégage bien retournée là. Bon geste défensif quoi. Oh l'intervention, le tacle glissé. Dan Gorkuf. Ah, j'ai mal joué là. Gomis. Ah, trop mal joué. Ah, j'ai mal joué. Ah là 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 là. Très beau dégagement par contre là. Rien à dire. Ah, on a l'international, c'est costaud hein. Très costaud. Ouais. On va jouer un peu des épaules hein, désolé. Mais... Ah non, la passe pourrie, je lui redonne. Alors, il faut faire le bon choix, donner son ballon, il a de soutien dans l'axe. Oh là 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 là. Le défenseur qui a sauvé son camp magnifiquement. Yann Gorkuf. Voilà, ça c'est bien lancé. Pour la casette. Ah bah je préfère obtenir un corner que rien du tout. L'entraîneur ose, hein, et ça c'est plutôt bon signe pour la fin de match. Oh, ça panique un peu, mais ça dégage. Ouais, la balle est contrée. Ah ouais, je confirme, il est contré, il était bien contré. Il y a du monde autour de lui, à lui de faire le bon choix maintenant. Oh, bien vu le centre. Hors jeu. Ah ouais, je confirme. Mais moi, je le dis avant. On va dire qu'ils ont très... La ligne de défense a très bien remonté, a très bien fait le jeu du hors-jeu. Ah putain, qu'est-ce que je rate là. Moi, tu dis. Moi, je tape. Ah là 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 là, trop dessus, trop fort. Oh.
Je me suis servi des appels de mes deux attaquants pour avancer, c'était bien, bien tenté aussi ça. Alors vous qui êtes plus près du joueur, vous pouvez nous en dire plus sur sa blessure? Le joueur montre son genou, mais je vois vraiment pas de grimace sur son visage. Plus de peur que de mal pour l'instant. Merci. Ah putain, donc ils ont un joueur blessé. Bon, on joue avec le gardien tranquille. Voilà. Et à devoir protéger son ballon. Ah, c'est agréable hein, de voir cette équipe jouer comme ça. Ça a l'air tellement simple. Voilà, ça c'est bien lancé, même si. Ouais, lui avait bien couvert le numéro 7. Ah, écoutez, ça gronde dans les tribunes. Pour l'instant, c'est un très bon match. Ah putain, ils sont impromptus pour me contrer. Putain, là il y a un gros contre en haut. Voilà, ah, c'est bien fait ça. Voilà, ça c'est bien fait. Non, non, non! Oh putain, la perte de balle! Ballon piqué par Ibrahimovic. Oh, oh, dommage, j'ai la chance. Bah. On revoit mon occasion. Elle était belle celle-là, l'occasion-là, sérieux. Bah. Puis là, voilà, sauvetage, la retourner. Voilà, je vais dégager parce que c'est un peu trop devant là. Le pire c'est qu'ils sont meilleurs que moi à la tête, donc c'est pour ça que je joue pas trop aérien. Voilà, j'ai déjà perdu le ballon, c'est super. Les visiteurs vont faire entrer un petit peu de 109. Hop. Oh putain, ils font putain, il a ces pressings de bâtard. Ah, oh, j'ai bien failli les donner où il fallait. Voilà, ça c'est bien fait. On rejoue vite. Il y a faute de Zlatan. Là, sûrement manger une biscotte. Là, je laisse tourner le temps. Hein. Je suis un peu salaud, mais c'est comme ça. Donc là, a priori, on va peut-être faire un changement, je pense. Là, il y a une grosse faute. Hein. Là, je fais hop. Et là, il prend le pied d'appui. Voilà. Par contre, j'ai oublié de balancer, je pense. Non, 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 non! Ah, le jeu, je crois qu'il avait bugué, putain, fils de pute. On est vers la zone de vérité. Alors, qui récupère le ballon. Terrible suspense. Je me suis fait avoir à cause du jeu. Je fais merde, je pouvais pas faire de passe à un moment. Puis du coup, quand je voulais dégager, j'ai pas pu. Ah putain, mais là, je vais me faire niquer à cause de ça. Ah, on balance en tout, je m'en branle. Sauf qui peut, là. Elle est même pas en tout. Ah, et puis je la récupère. Ah, c'est magnifique. Ah mais, oh putain, on voit que mon équipe elle est complètement naze déjà, ça commence. Ah putain. Il vient en marquage pour essayer de le contrer. Hop. Oh mais là ils sont, elle, t'as le pressing de malade. Ouf. Contre ce centre. Vas-y, je bazarde. Si je peux faire un. Voilà. Voilà, faute. Et là, il y a complètement carton rouge, hein. Sérieux, quoi. Il joue même pas la balle. Et... Ça, c'est le genre de faute qui existe en vrai, hein, je vous rassure. Hein. Tout fait pour casser le jeu et pas prendre le deuxième but. Parce que là, j'aurais pu faire la passe en plein milieu. Mais bon, là, il m'a bien tellement accroché que je pouvais rien faire. Enfin bref. Donc je vais reprendre Grenier. C'est RT. C'est ça. Et non, putain. Je vais Grenier au coup franc. Je m'en fous de tirer. Ouais, puis c'est comme ça, je pense. Hop. Et ça va dans le mur. Non, c'est à moi de faire la même faute. Allez, peut-être l'égalisation au bout de cette action. Voilà. C'est dommage de perdre ce ballon. Sauf qui peut. Moi, je pense que je vais gagner, je pense. Bon, je suis presque à la fin. Des secondes, le coup franc, j'aurais peut-être dû taper un peu fort tout à l'heure, mais bon. J'ai dit, je suis pas très très fort en coup franc. Jérémy Ménez. Mathudi. Oh là 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 là
Et voilà, c'est sur cette dernière occasion que se termine cette rencontre. Donc voilà, donc petite légère victoire pour moi dans cette rencontre. Hein. C'est très très dur, hein. Franchement, j'ai parler jouer c'est déjà pas facile et j'en ai chié. Hein. Vous allez dire, ouais, ça se voit peut-être pas trop à l'écran, mais j'ai eu une sacrée pression, hein. C'était sacrément dur. Et après, il fallait maintenir le score et tout. Quoi maintenir? J'ai pas maintenu, j'ai quand même essayé de marquer des buts. Hein, donc j'ai quand même fait le jeu et. T'as c'est con que ma frappe sur la barre transversale n'est pas rentrée, mais bon, voilà. Donc j'ai eu vraiment pas mal d'occasions. Et ils ont eu un très bon gardien, faut dire aussi. Donc voilà, donc j'espère que cette finale la Coupe de la Ligue vous aura plu. Hein. Donc maintenant, bah, bien sûr que le meilleur gagne. Hein. Je suis pour aucune des deux. Hein. En tant que nordiste et lillois, voilà, j'aurais préféré avoir Lille en finale, mais bon, bon, j'ai envie de dire que la meilleure gagne sur ce match. De toute façon, ça va jouer sur un match, donc voilà. Donc que le meilleur gagne, et voilà. Donc je vous remercie toutes et toutes d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine pour une prochaine vidéo autre, hein, sur du sport ou quoi. Voilà. Merci!